Bergamo. Jean-Baptiste Pinet à la batterie. Merci d'être venu dans ce lieu petit mais très chaleureux. Dire. L'acoustique est bien, non? Vous entendez bien? On s'entend très bien sur scène aussi. On a joué un morceau qui s'appelle Labyrinthe des Fées. Comme chacun de vous, de nous, j'ai reçu des... En fait, mon grand-père me racontait des histoires pour me faire dormir quand j'étais petit. Je ne voulais jamais dormir. Donc cette histoire un peu fantastique, fantastique dans le sens qui était vraiment inventée par mon grand-père sur le moment, en fait, ça a changé. Il me donnait même l'option de choisir si faire venir bien ou mal l'histoire. Donc ils ont nourri mon imagination. Et j'ai créé... Il te demandait, tu veux que ça finisse mal ou bien? Que ça finisse bien, il me demandait ça. L'option, des fois je choisissais bien, après quand je choisissais mal, j'avais peur, je disais non, ça termine bien. Je vais essayer avec mon fils. Essaye avec ton fils. Après il faut savoir le raconter. Alors, Labyrinthe des Fées, voilà cette dimension un peu onirique. On va continuer avec un morceau que j'ai écrit quand je suis arrivé à Paris, qui s'appelle Parfum, parce que je l'ai associé à un parfum tout de suite quand je suis arrivé à Paris, et un morceau métro. Dédié à métro, ma... Métro, c'est ça? De quoi? Parfum du métro. Du métro, c'est ça. Et après, un morceau dédié à ma terre à Noël, qui s'appelle Chill, à qui je joue depuis mon arrivée, jusqu'à là, tous les fois que je produis un concert. Donc on va faire un premier set d'environ 5-4 minutes avec 5 morceaux, une petite pause et un autre set d'autres 5 morceaux d'environ 5-4 minutes. Merci à vous encore et bon concert. Merci. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Moro Gargano la contrabbassa. E siamo a tutti la batteria. On va terminer ce set avec deux autres morceaux. Le premier s'appelle Butterfly. Et le deuxième s'est inspiré par un tableau que j'ai vu au Louvre. C'est d'Antoine Watteau. Il s'appelle Pèlerinage à l'île des Itards. Il décrit trois couples en train de chercher l'amour. Et après une dispute entre les critiques. Sont déjà sur l'île de l'amour, d'autres qui disent qu'ils cherchent l'île de l'amour. On ne sait pas, on ne sait jamais. En tout cas, le morceau s'appelle Pèlerinage à l'île des Itards a été inspiré par ces magnifiques tableaux. Donc, si vous allez au Louvre, n'oubliez pas de donner un coup d'œil à ça. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Merci Nicolas Serge. On fait une petite pause de 20 minutes histoire de prendre un peu d'air. Et on revient avec un deuxième set de 5-4 minutes encore. Environ. Thank you.
s'appelle 7-6. Merci beaucoup. Thank you.
Un morceau que j'écris sur un tableau. Voilà, c'est pas les tableaux qui vont voir là, mais c'est un tableau de l'enfer. C'est l'enfer. C'est une ville entourée par les flammes, donc c'est une vision plutôt infernale. Et ça s'appelle un quadre. Thank you.
Thank you.
Davide alla batterie, Mario Gorgiano alla contrabbasso. Grazie a tutti. Nicola Sergio. Nicola Sergio.